Je vous salue, ami vautour, et je vous invite à pénétrer dans les coulisses du théâtre de la cruauté. La question du jour est la suivante. Être ou ne pas être? Nous avons ici un comédien au physique très ordinaire et qui n'en peut plus de courir les auditions et décider à faire n'importe quoi pour réussir. N'importe quoi, ai-je dit. J'ai intitulé cette sombre histoire Tête d'affiche. C'est encore la drogue qui lui cause des problèmes? Dis-le-moi, Célia, est-ce que c'est ça? Je croyais qu'il y avait mis un terme, et là tu viens de me dire le contraire. Bon, rappelle-moi dès que tu sais quelque chose, d'accord? Quoi? Oui, bien sûr, je suis sortie avec lui, mais il y a longtemps. C'était avant qu'il entre dans l'enfer de la drogue. Il assure assez bien au lit, c'était pas super, mais est-ce que ça existe, hein? Écoute, ma grande, il faut que je te laisse. T'oublie pas de me rappeler, d'accord? Bien. Je te fais trop bisous. Au revoir. Jenny? Jenny, est-ce que Léon a rappelé? Jenny? Jenny? Léon, mais à quoi vous jouez? Où est Jenny? Jenny est morte. C'est à ton tour de mourir! Non, arrêtez, Léon, ça craint. Le cri silencieux est le plus atroce. Ah bon, c'était génial. Merci d'être venu. Bah quoi, c'est tout? Vous étiez fantastique, mais vous n'êtes pas du tout ce que je recherche. Bah, je peux tout faire, je suis acteur. Écoutez, j'ai besoin d'un homme plus massif. Bah, je peux me rembourrer. Je ne dirais pas massif, je dirais plus grand. Vous ne me comprenez pas, j'ai besoin de ce boulot. Ah oui, je le sais, mais vous n'êtes pas du tout le rôle. Il me faut un tueur. Et c'est quoi ça? Je suis complètement fauché. J'ai pas mangé de la semaine. Il me le faut, ce foutu rôle. Bravo, c'était génial. Mais il me faut un gars plus fort, plus costaud, avec le tarat. Jenny est morte. Non, Jenny est morte. Ah, c'est à ton tour de mourir. Jenny est morte. C'est un... Oh, j'y arrive pas, c'est pas vrai. Jenny est morte. Non, c'est ce texte pas vrai. Attendez-moi! Barry? Barry Bly? Oui, Winton, comment ça va? Mais très bien, et toi, vieille canaille? Comment va Lisa, au fait? C'est encore la meilleure chose qui me reste dans ce monde pourri. Tu te souviens de ce trou à rats où on vivait tous les trois? Ouais, j'aimerais bien encore y être. Eh ben, je suis content de t'avoir revu, on se reverra un de ces jours. D'accord. Faut que je rentre chez moi. Écoute, Barry, tu vas pas me faire ton cinéma parce que je bosse pour gagner ma vie. Je vais me gêner. J'aimerais savoir ce qui est inscrit sur ton passeport. Est-ce que c'est toujours marqué acteur? Tu me tues complètement, tu sais ça. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Ce métier n'a rien à voir avec la notion d'art dramatique. Oh, allez, ça va, je m'en vais, je t'ai assez vu. Quand est-ce que tu seras un acteur? C'est quelqu'un qui joue, c'est pas quelqu'un qui pointe au chômage, quoi. Fous-moi la paix. Si t'employes l'argent que tu dépenses dans les cours à t'acheter des fringues décentes, et pourquoi pas à te payer des lentilles de couleur? Tu pourrais te faire engager. Ouais, eh ben j'ai vu ce que tu faisais, Winton. J'avoue que je t'ai vraiment adoré récemment quand je t'ai vu danser cette espèce de tango pour assurer la promo d'une marque de pommes de douche. Bien sûr, je fais de la publicité. J'ai gagné 20 000 dollars l'an dernier pour un seul spot télévisé. Hein? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? T'as compris? Je suis un acteur. Tiens, ça c'est Hamlet. Ça au moins, c'est du théâtre. Avenue D, près du canal. Et quel genre de théâtre peut-il y avoir dans ce coin-là? Donne-moi ça, il faut que j'y aille. Barry, bon sang, tu viens d'avoir 35 ans! Tu vas pas continuer à végéter dans les théâtres où personne ne va! Hein? Hamlet peut suffire à lui-même, c'est un classique! Mais je ne dis pas le contraire. Mais Lisa mérite mieux que ça, Barry. Barry, Barry... Mel peut jouer Shakespeare! Parce que lui, il a un physique.
C'est incroyable. C'est insupportable tout ça. Je suis de la race des grands acteurs, moi. Et j'ai 100 fois plus de talent que tous ces ringards, vous avez compris? Ces ringards qui courent le cachet comme Wynton Robbins. Oh non, Wynton Robbins a un physique. Il a de l'allure. Oui, et moi, j'ai du talent. Eh bien oui, le talent, ça compte aussi. Mais vous n'avez pas de physique. Vous pourriez arranger le coup. La chirurgie esthétique, c'est pas pour les chiens, non? Oh, je suis pas une prostituée. Je toucherai pas à mon visage. Écoutez, vous êtes mon agent et votre boulot, c'est de m'aider. Vous appelez ces personnes et vous faites tout pour que j'aie le rôle, vous avez compris? Oui, écoutez, Barry, je fais ce métier depuis déjà assez longtemps. J'ai vu des gens arriver et j'en ai vu partir. Barry, je crois qu'il est temps pour vous de dételer. Vous voulez que je m'arrête, là, comme ça? Eh bien, rêver, c'est génial. Mais j'ai des frais de toutes sortes. Alors, je crois qu'il est temps que vous trouviez un impresario qui soit plus adapté à vos besoins. Très bien. Je décrocherai ce rôle moi-même. Et j'y serai très brillant. Et je reviendrai vous revoir avec mes critiques dithyrambiques. Et mes 250 dollars par semaine. Et je vous jure que je manquerai pas de vous les enfoncer dans la gorge! Hey, l'ascenseur de service, tu connais pas, espèce d'andouille? Je viens de me taper 5 étages à pied. Hé, hey, c'est à toi que je parle. Hé, hey, mais c'est ma stéréo. Oh, hey, c'est mon appartement. On peut savoir ce que tu es en train de faire dans mon appartement? Chérie, oh mon Dieu, Barry. Lisa, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne fais qu'emmener ce qui m'appartient. Et je prends quelques trucs en plus pour compenser ce que tu me dois. Enfin, de quoi tu parles? Vous êtes un perdant. J'ai promis 2 ou 3 choses à Monsieur Kroger et il est d'accord pour ne pas te faire mettre en taule pour vagabondage. Mais... C'est terminé, Barry. Je vais m'installer avec Bruno. Bruno? Un camarade de classe. Barry, Bruno. Bruno, Barry. Lisa, je t'aime, voyons. Oh... Oui. Écoute, il faut qu'on y aille. J'ai laissé du poulet dans le frigo pour toi. Du poulet? On pourrait rester amis. C'est dingue. Excusez-moi! Vous êtes vraiment un perdant. Hé, hey, vous! Ouais, ouais, vous! Hey, je vous signale que vous n'avez pas payé le journal. Vous croyez peut-être que je vais vous en faire cadeau? Voilà, j'aime mieux ça. Merci, au revoir. C'est quoi ça? C'est une blague ou quoi? Alors, mon grand, on ne dit plus bonjour? Excusez-moi, je cherche un théâtre. Et on peut savoir ce que tu fais ici? Mais je viens pour l'audition. Mais t'as rien à faire ici. C'est une audition pour Hamlet. Je suis venu là pour te prouver des choses. Et je parie que t'as passé la nuit à relire la pièce. Ah oui, tu parles si je l'ai relu. On n'entre pas dans la peau d'Hamlet comme ça, à froid. Sois pas idiot. C'est un univers très poétique. Ça demande des qualités d'acteur, ça, Wynton. Pas qu'un physique. Très bien. Si ce théâtre avait existé, je te parie que j'aurais décroché la timbale. À un de ces jours, Barry. Est-ce que c'est Hamlet? Non, c'est Shangri-La. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le Dalai Lama. J'imagine que vous venez pour l'audition. Moi, oui. Oui, moi, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez? Les acteurs.
Pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horatio. Un garçon d'une verve inlassable, d'une exquise fantaisie. Il m'a fait... Non, non et non. C'est mauvais. C'est très mauvais. Hamlet est en train de tenir dans ses mains le crâne de Yorick. Il constate ce que 25 années de séjour sous la terre ont fait de son ami. C'est la raison pour laquelle il est si déprimé. Qui, Yorick? Non, jeune crétin! Hamlet! 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 Il faut que tu prennes ce crâne, que tu le regardes, que tu t'adresses à lui et que tu l'embrasses. Tu vois, c'est simple. Embrasse-le, vas-y, embrasse. Non, mais c'est que c'est du plastique. Tu refuses d'embrasser ce crâne? Eh bien, je... Sors tout de suite de mon théâtre! Je veux plus te voir! Du plastique. Bix, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je peux avoir mon accessoire? Oui, votre boursouflure. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je cherche. Je cherche. Que fais-tu là, toi? Tu es un acteur, je t'ordonne de jouer. Je n'ai aucun texte à lire. Ce n'est pas une excuse. La vie est un théâtre. Bouger, c'est du théâtre. C'est la scène du fossoyeur. Tu es le fossoyeur, alors tu creuses. Ou je t'enfonce cette pelle dans le trou putride de ta gorge. Creuse! Dis donc, il est dur comme metteur en scène. Il est exigeant, quoi. Je respecte ça. Excusez-moi. Je suis venu auditionner pour jouer le rôle d'Hamlet. Quoi? Quoi? Qui casse ma concentration? Vous autres, allez-vous-en! Disparaissez de ma vue! Vous deux, suivez-moi dans mon bureau. Savez-vous qui je suis? Je suis Nelson Halliwell, metteur en scène de théâtre et de cinéma. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur, monsieur. Je suis Barry Bly. Je viens auditionner pour Hamlet et, comme vous pouvez le constater, je suis hautement qualifié pour le rôle. Je suis un spécialiste de ce genre de théâtre. J'ai travaillé le rôle dans différents ateliers, vous savez, et bien sûr, je le connais par cœur. Et dites-moi, est-ce que vous savez que nous allons monter la plus étonnante représentation d'Hamlet du siècle? Je veux représenter sur scène Hamlet à la fois fort et fragile, et surtout si réaliste que le public en sera projeté de son siège et repartira de ce théâtre, l'esprit chaviré, et il crachera ses tripes sur le bord du trottoir. Je te laisse le rôle, Barry. Bon courage. Moi, je pars. Veux ! Hey. Les pommettes saillantes, la face livide, les cheveux blonds cendrés. Vous êtes danois ? En réalité, je suis polonais. Parfait, je le savais. Le rôle est pour vous. Quoi ? Quoi ? Je vous le dis, jeune homme, le rôle est à vous. Je croyais que tu voulais partir. Ah non, c'est trop beau. Je suis Hamlet. Mais vous m'avez même pas entendu lire le rôle. Vous savez même pas s'il peut le lire, lui. Halliwell a choisi. Jeune homme. Il y a une loge au fond du couloir. Mais il s'agit d'Hamlet! Comment peut-on distribuer ce rôle à un ringard? Ce qui compte, c'est le physique. Qu'est-ce que je t'avais dit, Marie, hein? Mais tu connais absolument rien de cette pièce. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai le rôle. Je peux pas croire ça. Pour lui. Je le hais, ce mec!
Je veux voir tout le monde en scène, s'il vous plaît. Allons, se dépêche. Témoigne contre moi. Ressemblez-vous, s'il vous plaît. Voilà notre nouvel agent Mix. Pour le bien suprême. C'est notre homme à tout faire, vous savez. Alors, on va prendre vos mesures. Et le meilleur emploi du temps. N'oubliez pas le tour de vie. Allons, se dépêche. Ne traînons pas. Un animal, sans plus. Beaucoup de travail à faire. Bon, voilà, très bien. On a donc du temps. Allons, les enfants. Maintenant, on dégage. Sur l'avenir et sur le passé. Ne nous a pas donné cette divine raison. On va faire un dernier filat. Pour que nous la laissions inactive. À partir de maintenant, mes pensées seront sanglantes. Où rien ne vaudra la peine. Cette conscience fait de nous tous des poltrons. Tu es venu me féliciter, c'est ça, hein? Eh bien, j'espère que cette fois tu retiendras la leçon, Barry. Tu as des idées rétrogrades. C'est vrai, il ne faut plus parler d'art. Il s'agit d'un commerce, il faut voir le public accourir en masse et prendre les billets. Il s'agit d'un produit. Ah, si tu investissais un peu plus d'énergie dans l'aspect commercial des choses au lieu de te complaire dans ce rôle d'artiste stupide qui tire les sonnettes et qui rame. Tu... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce donc? Un rat? Un Ducati, il est mort! Ça, c'est un blé, ton douille! Acte 3, scène 4! Tu diras plus jamais d'idée si. À moi la pelle, à moi le blanc, le sol. Un trou dans la terre, ça se fait tout seul. J'y descendrai sans qu'on m'appelle. C'est comme ça que je veux que ce soit joué. Bix, où est mon accessoire pour la scène du fossoyeur? On y travaille, monsieur. Ça ne pousse pas dans les cintres. Monsieur Halliwell? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas que vous êtes au milieu d'une répétition? Où est votre ami? Il devrait être en scène en ce moment. Je crains qu'il soit parti, monsieur Halliwell. Il a fui? Il n'aime pas ma mise en scène? Je n'avais encore jamais vu quelqu'un avec un tel trac. Il en était tout bleu. Mais c'est une catastrophe! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bien, si ça ne vous dérange pas, je jouerai le rôle à sa place, monsieur. Non, non, vous n'êtes pas le rôle. Vous n'avez pas le physique. Je suis un acteur, monsieur Halliwell. Je peux faire tout ce que vous voulez. Non, 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 non. Et oui, si je change deux ou trois petites choses, ça ira. Bon, très bien, le rôle est à vous. Bix, Bix. Alors, vous voulez dire que j'ai le rôle? Oui, conduis tout de suite notre nouvel ami dans sa loge, Bix. Oh, vous ne le regretterez pas, monsieur Halliwell. Place au spectacle. Dites cette tirade, je vous en prie, d'une manière cursive. Et bien articulé. Ah, mais si vous beuglez, comme le font la plupart
de vos acteurs, autant aller confier mon texte au crieur public. Autant aller confier mon texte au crieur public. Prêt pour le dernier filage? Quoi? Mais enfin, je n'ai pas encore répété. Vous n'avez pas besoin de répéter. Hamlet est très compliqué à jouer, je ne peux pas faire ce rôle sans répétition. Qui a dit que vous faisiez Hamlet? C'est moi qui joue Hamlet. Vous ne m'avez pas vu avec le crâne en plastique tout à l'heure? Hélas. Pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horatio. Bix a tu étiqueté les costumes selon mes instructions. Oui, votre flatulence. Attendez, je vérifie. Si je ne joue pas Hamlet, quel rôle me donnez-vous? Yorick? Yorick est déjà mort depuis 25 ans quand la pièce commence. Il nous a fallu beaucoup de temps pour distribuer ce rôle. Il y en a qui n'arrêtent pas de voler le crâne. Non, c'est de la folie. Bix, aide-moi. Certainement, monsieur. Tenez, enfilez cette cagoule. Vous êtes des malades. Et alors? Une bande de cinglés. Ouvrez, monsieur Bly. Au secours! C'est pas vrai. L'asile pour fous dangereux. J'aurais préféré quelqu'un avec des pommettes plus saillantes. Qu'est-ce qui se passe, docteur Morrison? Vous allez bien? Votre ami était parfait pour le personnage. S'il vous plaît. Mais ça fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Place au théâtre! Fais-moi voir. Hélas, pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horatio. Un garçon d'une verve inlassable, d'une exquise fantaisie. Je crois que j'avais tort vis-à-vis de ce jeune homme. Il est vraiment fait pour ce rôle. Mon cœur se soulève. Ici s'ouvraient ces lèvres que j'ai tant de fois baisées. Pouvez-vous nous décrire la situation autour du bâtiment, s'il vous plaît? On n'entend plus le moindre cri, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pris les otages. Nous resterons extrêmement prudents. On entre dans 30 secondes. Restez en contact. D'accord. Attention, messieurs, mettez-vous en position. On est prêts? Allez, c'est parti. On y va, messieurs. En avant! Et il le possédait. Mais il n'était pas fait pour lui. Là encore, on n'a pas utilisé son visage. C'est aussi bien comme ça. Les critiques l'auraient sûrement taillé en pièces, d'ailleurs. Je vais appeler mon agent. J'ai attendu toute ma vie pour jouer le rôle de Yorick. Je vous dis à bientôt, ami Vautour. Allô? Je voudrais parler à mon agent. Comment ça, il est au cimetière? Vous avez l'adresse?